dessin ça yo, c'est pas dessin ti moun nan jardin d'enfant k'ap fè éveil. Son pépinier artiste k'ap maîtrisé agencement couleur ak forme avant y'a le déposer pour tout bon. USAID te contracté Prince Luc, artiste faussage nan Jacmel, pour former un groupe ti moun nan technique mosaïque. C'est pas une formation verbale comme ça, mais bon base, bon méthode, de quoi pour bien déraper. Moi j'ai travaillé sur la théorie de couleur parce que faut gagner couleur pour qu'on ait qui gens gamme nan capable marcher qui couleur pour mettre à côté de l'autre. Soit regarder céramique là, son fait céramique pour qu'on crase dans petit morceau pour gagner des différents morceaux de pièces pour appliquer sur des dessins. À peine si vous était tracé en ligne droite en avant, mais l'église Saint-Jean Bosco mon Hercule commence à transfigurer avec dessin toute qualité en bas coup de crayon timon yo kounia. Plastique là, c'est pour lever dessin hein, pour aller habiller dans l'atelier. Yon après l'autre, Timoun a intégré diverses étapes avec informations qui gagnent dans la question mosaïque là. Formation mosaïque là, c'est une collection et un rassemblement de un paquet de morceaux, bouteilles, assiettes, faïences, tasses, washing dans la machine. Yo te avon nou yo te di nou ke yo ka kole nan miray e yo di nou yo te avon nou ki kote li te soti nan arom seramik lan premier kote yo te kole c'était nan bol. Mosaïque la ka fèt ak lot materyo tou. Men Prince Luc travay seramik la ak timoun yo. Chak timo soyo découpé selon forme ak koule atis la vle bay piès la. Timoun yo conscient que formation ka changer statut timoun et déjà y aurait une lumière pour avenir. On commence grand. On a l'aime commencer dans l'âge 18 ans, 20 ans, on a ma travail, ma faire comme pour n'a ca aider parents avec. Gen deux techniques proposées mosaïque là. Technique mèche là, côté pièce la fin montée net sous tuile pour al poser tout entier sous mur avec technique direct là. Timoso pa timoso pour habiller dessin. Choix dessin pas fait vaille que vaille. Son histoire, son souvenir d'antan. Pour nous capable river faire choix de sujet ça, nous river chita avec ancien notable qui dans quartier ça et puis yo expliquer nos historicité quartier et puis nous même nous reproduire sous forme de dessin qui pral vinn bay travail que nous n'a fait et au niveau de jodia dans deux quartiers ça. Si choix quartier Nerette là c'est un hasard. Le hasard fait bien les choses. Rouler en eau dans Nerette, c'était bastion en pile gouatis dans le temps. Et histoire soumise, fait Gérard nous songer, époque li te gen usine café. Mais Katia te fin défiguré entre temps. Moi même soit m'la quartier, me dit honnêtement. C'est pour me dire quartier, tout le quartier propre que le dé avant. Le vin fait ça là dans quartier, a fait gongeté. Chaque monde qui a passé, par contre ça glante tu non, mais le regarder mieux hein. Il y a un bel bagage dans le quartier. Que je trouvais que petit monde avec grand monde qui te pensé faire là, sont belles idées. 25 bénéficiaires formation, ce n'est pas petit monde qui a la vie facile. Ils ont levé, ils ont la vie avec tout le griffle. Partenariat ça entre USAID, COJEC, Fossage Jacmel, plateforme communautaire Monéocule et Nerette, qui a artisanat et éducation la donne, sont bons investissements pour demain. Le travail dit maintenant, on fait ça comme ça. Ouais, on gagne des idées. Ça veut dire que moi, je pense que si nous peut-être encadrer Timon, mais ça comme toujours dit, c'est pas prendre pied bois pendant le grand. C'est pendant la montée ou pendant la grandir et c'est dresser. Nous avons une bonne capacité comme ça. Et si nous accentuons sur Timon pays d'Haïti, dans 10, 15, 20 ans, nous avons l'autre Haïti. Pour te coller, tu as déjà fait connaissance avec talent Prince Luc dans une fresque murale dans Jacmel depuis l'année 2011. Le travail mon Hercule ak Nerette la fini, c'est dans des œuvres qui pral gen répondant comme ça. Ti moun yo ap te gen chance pour te faire meilleur. Son bel début pour yo. Wa diz a fè dwa ti moun nan. Se pa pou ti moun sa yo. Si la yo, yo ta remè vivon lòt jan.
mais semble c'est seulement rêve ya ouais ça. Seulement dans rêve. Non mais si la même qui prend pose à protéger yo, yo konsibi toute qualité des agréments. En bas couverte de protection ça yo. C'est pas des mauvais services non yo fait ou fait. Mauvais causé oui. Ah non. Ah non. Ah non mes amis. Quelle que soit situation timoun naye, pas profiter de lui. Au contraire, protégez-le. Maman t'est mouri. On t'a vivre avec nos amis. Côté que yo maltraité, me fait me faire des travail que ti moun pas doit faire. Et puis il me devine sorti. L'aime vinn sorti et puis me vinn arrêter quand l'autre monde. Et puis me devine enceinte. Me bat ka occuper petite là et pas trois prendre la même. M'était obligé faire cadeau. Des bailes m'ba ka wel kounya les ti moun yo comme si pa gen parents yo te gen droit m'ba di pou tout ti moun comme si ba éducation voyo l'école faire un genre de série de bagay pou yo et puis les rive non l'âge yo te gen droit al travail ba sa yo et puis pou yo te ka iti tête yo demain mais si comme si nous toujours ki te comme ça et puis ah, et papa, je me fais vrai, c'est toujours même bagarre là, rester avec cap toujours. L'objectif de la recherche c'est de montrer les conséquences de la maltraitance sur la vie des personnes ayant vécu en domesticité. Les personnes ayant vécu en domesticité ont une vie socio-professionnelle beaucoup plus stable que les frères et sœurs n'ayant pas été placé en domesticité. Pourquoi? Parce que ces personnes ont ce qu'on appelle des références. Ils savent comment se débrouiller dans la vie, ils savent comment en fait faire des efforts, ils savent multiplier les efforts, ils ont l'habitude à entreprendre des initiatives. Au niveau de la psychoaffectivité, on arrive à voir que ces personnes-là ont des familles dysfonctionnelles. Qu'est-ce qui arrive? Ces personnes-là ont des difficultés à s'exprimer. Se sent inférieur par rapport aux autres membres de leur famille. Ces personnes-là ne peuvent pas tenir une conversation. Ils sont incapables même de parler, de discuter avec leurs enfants. Ces personnes ont des difficultés au niveau affectif. Nous avons fait des recherches au regard des frères et sœurs n'ayant pas vécu en domesticité. Et ces personnes, certes, ils ont connu des difficultés psycho-affectives, mais lorsque nous faisons la comparaison avec leurs frères et sœurs qui n'ont pas été vécus en domesticité, on a pu voir qu'ils se sont mieux. Ils se sont mieux. Alors, l'heure de venir, on peut dire clairement qu'ils deviennent des vrais acteurs dans la société. L'étude a été réalisée, c'est pour examiner les conditions de vie des enfants haïtiens dans le travail domestique. Elle permet d'analyser les conditions des enfants et surtout en lien avec la législation nationale ou internationale. Cette étude vient apporter une réponse au manque de données concordantes dans le domaine de la protection de l'enfant concernant les enfants vivant dans le travail domestique en Haïti, au niveau national. Quelques grandes questions ont été posées lors de la réalisation de cette étude. Premièrement, c'est pouvoir mettre un chiffre, connaître le nombre d'enfants qui sont dans le travail domestique en Haïti, comprendre les conditions de vie de ces enfants, comprendre également la répartition géographique d'où viennent ces enfants un peu partout du pays, mais quelles sont les zones qui sont beaucoup plus exposées.
Quels sont les types de vulnérabilités qui poussent un enfant à être recruté, à aller travailler comme domestique dans les maisons? Comprendre également comment apporter une solution à ces problèmes. Essayer de comprendre les familles, quels sont les types de familles qui envoient leurs enfants et également quel type de familles qui acceptent ou bien qui reçoivent ces enfants-là. L'étude va avoir de l'impact sur trois éléments. Le premier, c'est le ciblage. Le deuxième, c'est le contenu des programmes. Le troisième, c'est la façon de travailler. Le ciblage, on va devoir se dire à quel groupe d'enfants s'adressent nos programmes. S'agit-il des enfants victimes des pires formes de travail ou les enfants qui sont engagés dans le travail domestique ou le travail des jeunes dans le travail domestique, tout simplement. Avant, on pensait que le mouvement se faisait entre l'espace rural et l'espace urbain, ou bien entre les provinces et Port-au-Prince. L'étude nous a révélé qu'il y a un mouvement aussi à l'intérieur des départements, à l'intérieur des communes, à l'intérieur même de l'espace rural. Donc, dans le ciblage géographique, on va certainement cibler l'action sur l'espace rural ou aussi sur l'espace urbain. L'étude a démontré que les enfants, en général, évolue dans un contexte de violence. Donc, il va falloir développer des programmes adressant les violences faites aux enfants en général, que ce soit les enfants travailleurs domestiques ou les enfants vivant dans leur propre famille. Donc, notre stratégie cible spécifiquement les enfants travailleurs domestiques. On va devoir travailler aussi pour adresser les violences faites aux enfants. L'étude nous interpelle. On a vu que, par rapport aux données de 2001-2002, il y a une augmentation du nombre d'enfants considérés comme travailleurs domestiques. Donc, s'il y a une augmentation, on va devoir normalement mesurer, établir des outils pour mesurer l'impact de nos programmes. Et aussi, dans la manière de travailler, l'étude nous interpelle sur la nécessité de travailler en réseau, de travailler ensemble pour avoir un meilleur impact. On ne peut pas continuer à travailler dans un espace seul parce qu'une seule organisation ne peut pas apporter toutes les réponses. Mon bureau de coordination, moi fier parce que c'est policier. Moi, je suis un agent BIM et je suis fière parce que je suis policière. Moi, je suis un agent garde-côte et je suis fière parce que je suis un policière. Moi, je suis un agent Simon, je suis fière parce que je suis un policière. Moi, je suis un agent DAP et fière parce que je suis un policière. Mesdames, nous sommes Potomitan Nation. On ne peut pas coller pour nous renforcer la police là. C'est la contribution PAO nous avancer. Nous même tous mesdames nous cas policiers. Informez vous dans le bureau commissariat police l'Ouest et dans la direction départementale PNH ou bien l'Académie police là dans le numéro 48 18 25 25 ou soit Commission nationale affaires familiaux dans le numéro 22 26 42 69. Faites en pour nous. Ou qu'à suivre nous sur Facebook, Twitter et YouTube.